vous ce n'est pas liquidé, il dit Congo Ibo. C'est liquidé peut-être un probable candidat à la présidentielle. C'est liquidé un probable candidat à la députation. Mais c'est liquidé le candidat à la députation, c'est liquidé le candidat au municipal, et c'est liquidé le candidat au mairie. Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Je n'accepterai pas. Et tenez-vous bien. Ce n'est pas le courage ou l'engagement qui me manque. Je voudrais que chacun d'entre vous soyez courageux. Soyez courageux. Parce que les épreuves peuvent encore venir et font encore venir. Ceux qui ont tenté ce matin, ils n'ont pas réussi, ils reviendront. Mais évitez les incroyables. Parce que les autres attendent ça pour dire, comme les gars se bagarrent, on va suspendre le parti. Et si on suspend le parti, c'est nous qui perdons. C'est pourquoi nous tenons nos ennemis avec beaucoup de subtilité, de tact. C'est pourquoi, jusqu'à présent, nous n'avons pas sanctionné. Mais s'il faut sanctionner, rassurez-vous, dans les jours à venir, nous allons sanctionner. Voilà. Donc, camarades, voilà le message que je voudrais vous donner en vous demandant d'être nos ambassadeurs partout où vous irez. Vous retournez dans vos provinces, vous retournez dans vos communes, organisez les assemblées générales. Ne demandez pas, donnez-nous l'argent, on va aller chercher les. Non, l'engagement politique devait vous amener à repartir et parler à vos bases. Pas parce qu'on n'a pas d'argent. Si vous avez la volonté, vous y arriverez. Convoquez-les et viendront. Viendront parce qu'ils aiment le CDP. Forcément, on n'a pas d'argent, on a mis un peu d'argent, mais on n'est plus au pouvoir. On fait des efforts. Le parti fait des efforts pour exister. Mais, on veut faire ça, on n'a pas, mais encore on n'a pas l'argent. Faites-le d'abord, et ensuite, quand on aura les moyens, on en fera davantage. Est-ce qu'on est d'accord? Oui! Est-ce qu'on est d'accord? Oui! Camarades, je vous remercie. Ce n'est pas la peur qui fera brûler Sikokoyo, qui a fait autant et qui a souffert autant. Maison brûlée, Maka, ils ne pourront rien. Et ce sont nos mêmes camarades qui s'assèrent pour dire notre président travaille pour le MDP. Regardez-moi ça. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui peut faire ça? Je préfère démissionner que de travailler pour le MDP. Ceci dit, je vous laisse. Et donc, les responsables des 45 provinces seront touchés pour la mise en place de ces 600 normes. On va les poursuivre. Acceptez, je vous demande. Est-ce que vous êtes prêts à accepter?